Ça se passe de commentaires, je crois. Ça, c'est le départ du Frost Gun. Et on va regarder les compétiteurs sauter cet énorme boss qui est en contrebas. Mais avant de prendre cet énorme boss, c'est déjà tout un art que de prendre cette piste de lancement qui n'est plus une piste, mais carrément un fossé. C'est absolument incroyable, c'est absolument insensé. Et on va regarder tout ça en image lors de ce premier entraînement. Voici les coureurs. Voilà. Let's see the skier. Barnière, hein. Tu vas en premier? Oh non. J'ai l'impression que ça va se finir comme ça, parce que tout le monde veut pas y aller. Et puis, voilà, on verra bien comment ça va finir, mais j'ai pas envie d'essayer vraiment. Donc on verra bien. Là, ça fait partie ouais, des plus gros booters de l'année, ouais, c'est clair. Ah ouais. Particulièrement cette année, là, parce qu'ils l'ont bien fait popper. Du coup, ça va aller vraiment haut et... Ouais, c'est gros, là. Mais j'ai pas envie d'essayer en premier. Moi non plus. Pas trop dur, c'est toujours la première fois qu'il fait peur, après c'est bon. Je la sens straight moi. Moi je la sens straight de chez straight. Si tu la sens vraiment, faut y aller, mais si t'es pas sûr, faut pas... Ok. Alors un commentaire sur le premier essai de Jules. Il allait un peu loin, hein. Bah, il s'est mis bien et il a fait juste ce qu'il fallait quoi. Mais en même temps c'était le premier. Hein. Voilà ouais, non mais parfait, il est allé à la bonne place quoi. Vaut mieux aller là que trop court. Alors Jules, t'as été le premier à tenter la bosse, comment elle est? Bah écoute, c'est pas mal hein. Écoute, alors un saut on peut pas vraiment dire, mais en tout cas ce premier saut m'a bien fait plaisir on dirait. Tu l'as attaqué tout droit, tout straight, comme tu dis. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, je préférais me mettre un peu loin que sur le knoll, c'est-à-dire le haut de la réception, parce que ça fait super mal. Donc voilà, hein, on s'est mis un bon tir, comme on dit dans le jargon. Alors, tout le monde s'observe à qui allait faire cette bosse en premier. C'était toi? Bah ouais, c'était... Bah, je le voulais pas vraiment, j'ai envie de dire. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui était chaud à y aller en premier. Donc voilà, hein, j'ai posé le cerveau et j'y suis allé, quoi. Tu penses que ça sera un beau spectacle? Bah, je pense que vu la bosse comme elle envoie, ouais, je pense que ça risque d'être un très beau spectacle. C'est rare des bosses aussi fortes, aussi hautes, maintenant que tu l'as testé? Et bah, c'est pour ma part, les plus grosses bosses chaque année, c'est ici au Frost Gun. Donc, et cette année, ils ont fait encore plus gros que les autres années, j'ai l'impression. Donc ouais, ça va donner. Prolific, but it's love, I go above and beyond the limit. I told y'all I'm above and beyond.